Et yo tout le monde, c'est Matt5554 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons acheter des machines pour la ferme de YouTube. Tac, donc on va commencer par ouvrir la porte. Wow, ces poules là, ils sont... Comment dire ? Pénibles. Donc on va acheter tous les trucs nécessaires, comme... On va acheter déjà une petite moissonneuse batteuse. Il y a des grimes là, je sais pas ce que c'est ça. On va prendre celle-là. Tac. Après, on va prendre une petite barre de coupe évidemment. Hein. Parce que sans barre de coupe, ça va être compliqué. On va prendre celle-là. Là. Ah, aussi, par contre, on va juste acheter un petit pick-up histoire de. Pick-up, on prend le Toyota ou celui-là? Putain, c'est quoi ça? Tac. On va prendre le Hilux. On va le prendre en noir. Non, on va le prendre en noir et blanc. En blanc et noir. Alors, blanc et noir. Tac, donc ça, on achète. Tac. Après, qu'est-ce qu'on peut racheter d'autre? Des petits tracteurs, c'est important ça. On va prendre un tout petit, on va prendre un petit 300 vario. En vert. Celui-là, on va le mettre en petit charge des avant. Tac. Après on va se prendre un petit Valtra parce que j'adore les petits Valtra, c'est un truc de ouf, comment je les adore. Donc on va les prendre dans noir noir, config des roues, acheter. Tac, et puis on va se prendre un petit 800 favorite. Tâcheur. Ah non, j'en ai déjà un dessus là donc ça sert à rien. Pour l'instant, c'est ce qu'on va déjà tout faire. Alors, on va commencer par... tac, on va les réinitialiser. Donc, le 1000, on va faire ça. Le 300 vario, tac. Ilut, tac. Alors, on va prendre le petit Ilut. Le petit Toyota Hilux, donc une très bonne voiture, hein, franchement j'adore. Très bien réussi. On va garer ça derrière la petite Mustang. Faudra qu'on range tout ça. Après, les petits tracteurs. Celui-là, petit 300. Réinitialiser d'autres. Le petit Valtra. La petite Mossbat.
Et la petite barre de coupe. Alors, un petit Valtra. Là, je pense que pour un tracteur, ce serait déjà bien. Barre de coupe. Ok, on a un petit imprévu. Alors, on va prendre le petit pick-up Toyota Hiace. Tac. La petite barre de coupe. Waouh, ah ouais, donc elle s'est mise comme ça, la barre de coupe. Ça tourne, ça tourne. Hein. Faut en faire des manœuvres. C'est quoi encore qui gêne?
Donc je vais mettre ça là. C'est chiant ça, faut toujours aller derrière. Alors après, qu'est-ce qu'on va pouvoir de bien de ramener? Tu vas ramener le cargo bull et le petit Volvo. C'est de caler là. Ça commence à être dur. Ah. Bon, on va caler ça là. Tac. Après, on va ramener le petit T7. Et la petite Josquin. Où es-tu, ma petite Josquin? Alors, Josquin. Ah là là. C'est bien sale tout ça. Évidemment. Paf.
Tac. Allez, les œufs. On va ramasser tous les petits œufs là. Hop. C'est quoi ça? Ventre le véhicule. Tiens, on va placer des petits trucs, tiens. Parce que j'ai des espèces de mods, moi. Donc on va essayer de placer tout ça. Garage. Et c'est pas un petit garage ici. Tu sais ce que c'est ce truc? Ah oui, effectivement, c'est un petit garage. On va le vendre. Tout de suite. Tac, vendu. Tiens, les petites rampes là, c'est sympa ça. Genre quand t'as des petits trucs à charger. Attendez, genre on peut faire des palettes de lapin. C'est quoi ce truc? Oh, du maïs. C'est un petit peu intéressant. Bon bah les gars, on va se laisser là-dessus. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va se trouver à faire du maïs pour avoir du lapin. Allez, salut salut.